Et je te laisse la parole. Ok, super. Mais je ne savais pas qu'il y avait présenté Kotlin. La démo est en Kotlin. Je dis déjà que Kotlin n'est pas que pour le mobile, c'est aussi pour le back-end. Bonjour à tous. Comme le monsieur programmé a dit, j'ai oublié ton prénom. François. Voilà. Je vais parler d'un système bancaire distribué. Bien sûr, en utilisant Accent, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Je vais commencer par une petite histoire. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? Alors, vous verrez, j'ai beaucoup d'images, je n'aime pas le texte. En fait, l'histoire, c'est qu'on est il y a 2 mois, plus ou moins, avec mes collègues à Devox, et Devox Paris. Hein. Et on a un stand, vous voyez là, je suis là, Alain, notre CTO, est ici. Et beaucoup de. Et je pense même que Thierry est là. Désolé, Magali. C'est pas là. Ah oui, c'est toi qui prenais la photo. Et en fait, on rencontre beaucoup de personnes. Et c'est bien, mais beaucoup de personnes. Dans ces beaucoup de personnes, on a des personnes qui ne connaissent absolument pas le DDD, jamais entendu parler. Et quand ils connaissent, parfois c'est pas CQRS, event sourcing, on ne sait pas ce que c'est. Et quand on connaît, c'est la partie où j'étais fort frustré, on me dit oui, c'est compliqué, on ne comprend pas, on ne voit pas l'intérêt. Donc au lieu de casser le stand, je me suis dit, je vais faire une petite présentation. Mais surtout, il me reste 3 jours à Devox Paris, donc je vais faire une application en 3 jours et on verra bien jusqu'où j'arrive, bien sûr en suivant DDD, CQRS ou une sortie. Et parce que je n'aime pas, je ne sais pas si vous connaissez l'image là, le How to Draw an All, personne l'a vu, vous pouvez dire qui la connaît? Ah, une personne, c'est chouette. Bon, je vais expliquer alors. En informatique, vous l'avez déjà remarqué, on a plein de How to. Ok? Comment faire plein de choses. Mais à chaque fois, c'est. On va vous expliquer comment faire un hibou. Alors, on commence par voilà, un cercle, une ellipse. Ah, chouette, merci, c'est super, c'est nouveau. Et puis, vous faites le hibou. C'est toujours comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. On veut faire un système en production et les gars nous expliquent comment faire un hello world. Ça m'énerve. Voilà. Donc, j'ai décidé de ne pas faire ça. Okay. Mais je veux faire une application. Donc je me suis dit quand même, reprenons les principes de base. Donc première chose, je veux faire du DDD, Domain Driven Design, pour que je sache plus ou moins qui connaît déjà, qui a déjà entendu. C'est bien. Qui connaît bien. Ok, donc on va partir sur les bases. J'ai 1 heure, 57 minutes exactement, donc évidemment tout ce qu'on va voir, ça va être de l'accéléré pour une audience générale. Okay. On ne nous attendait pas à avoir ceux qui connaissent, on n'allait certainement rien apprendre. Voici l'histoire des DDD. Donc on a monsieur Eric Evans, vous voyez il n'est pas connecté, troisième, voilà. Pas accepté mon invitation. Il y a très longtemps, 22 ans je pense, en tout cas plus de 22 ans, il essaye de déployer une application en prod et ça ne marche pas. Pourtant, c'est un architecte de renommée. Et il dit en fait, j'y arrive pas, il y a trop de couplage avec la DB et les applications, ça, c'est la merde, si je peux m'exprimer comme ça. Et il se dit, pas possible, je veux que ça ne m'arrive plus jamais. Okay. Donc il décide de réfléchir, et il a sorti, ceux qui connaissent le DDD, à mon avis, vous connaissez le bookbook, Domain Driven Design. J'ai oublié de mettre une photo, j'aurais dû. Pour la timeline, on se situe en 2003. Parce que, aussi, à Devox, ouais, DDD, c'est hype, hein, c'est tout nouveau. Non, c'est pas tout nouveau. Donc, voilà. En quoi ça consiste? Alors, le DDD, ce n'est pas que technique. C'est aussi dans la méthodologie et dans la réflexion. Okay. Donc, le but est de faire un soft pour le business. Et un soft que tout le monde comprend. Les développeurs, les testeurs, le business, n'importe qui viendrait à l'extérieur, on lui donnerait un petit bouquin, on lui dit tiens, lis ça et tu comprendras ce qu'on fait. Donc en gros, on a tous les profils. Je vous laisse imaginer qui est qui, parce que je ne sais pas moi-même. Peut-être que celui-là n'est peut-être pas le développeur. Et donc ils se disent, en fait les gars, vous devez parler le même langage. Okay. Arrêtez de me parler en termes techniques d'un côté, en termes business de l'autre, on parle tous le même langage. Ça, c'est le principe de ce même langage, excusez-moi,
On appelle ça le langage ubiquité en français, ubiquitous language. Ça veut dire toutes les discussions orientées entre toutes ces personnes, que ce soit technique, business, utilisent le même vocable. Okay? Ça paraît stupide. Moi, en tout cas, j'ai commencé ça il y a 12 ans déjà. Mais quand je suis sorti du monde bancaire, je viens du monde bancaire, je me suis rendu compte que les petites boîtes utilisaient des termes super techniques en fait, et que le business ne comprenait absolument rien. Et c'est là où je me suis dit, ah oui, tiens, en fait, non, c'est pas partout pareil. On a des boîtes où il n'y a pas de langage d'ubiquité, où le technicien parle au business en disant, tiens, dans mon CRUD, j'étais un peu choqué. Bon, je viens des banques, on est très strict dans les banques. Qu'est-ce que c'est? Parce que ce n'est pas qu'un langage d'ubiquité, donc ça c'est la partie méthodologie. Après, il y a la partie design. Donc, vous avez certainement déjà entendu parler. On a un domaine. C'est quoi le domaine? Ben, c'est ce que fait la société. Une banque, c'est le domaine de la banque. Okay? On ne design pas une banque comme étant un gros domaine. C'est énorme. Donc, ce qu'on fait, on le split. On ne le sait pas. Excusez-moi, j'utilise beaucoup de mots en anglais. Donc, on essaie d'imaginer dans ce gros domaine des petits domaines, des sous-domaines qui sont le plus séparés possible. C'est ce qu'on appelle les. Alors, en français, plein de choses. Hein. Moi, je le dis tout le temps en bas en des contextes. Désolé si quelqu'un connaît la traduction. Le contexte borné. Le contexte borné. Ah, oh, c'est pas joli. C'est joli, mais c'est ça. C'est ça. Moi, j'utilise bounded context. Donc, dans un domaine, il y a plusieurs bounded context. C'est vraiment, par exemple, imaginez la banque. On le verra après, hein, mais je vais un petit peu plus loin. On a certainement un contexte pour les clients. On a un contexte pour les comptes. On a un contexte pour les cartes. Encore, est-ce que ça fait du sens? Je ne sais pas, mais on peut déjà imaginer. Et ce que je fais généralement, c'est que je pars vraiment dans l'éclaté pur et après j'essaye de regrouper les concepts. Il y a des personnes qui préfèrent partir dans un gros contexte et splitter. Moi, je préfère partir des petits et les regrouper. Lequel est le meilleur, je ne peux pas vous dire. Moi, je préfère l'éclater et remonter. Voilà, c'est personnel. Alors, on va voir ce que c'est un bounded context. Donc, j'essaye vraiment de descendre. Déjà, qui a entendu parler les deux là, oui, mais quelqu'un d'autre, bounded context? Ah, c'est marrant ça. Il y a plus de personnes qui ont entendu parler de bounded context que de DDD. Intéressant. Donc, de quoi est composé un bounded context? Déjà, il a son propre langage. Ça, il faut le savoir. Certaines personnes disent que le DDD, c'est un contexte, un langage. Non, il y a aussi des langages d'ubiquité dans les contextes. Vous allez les comprendre après. Je vais vous montrer un exemple. Mais bien sûr, on a des agrégats. Alors les agrégats, c'est la première chose, il y a très longtemps. Il m'a fallu super longtemps pour comprendre ce qu'il voulait dire par agrégat, alors que c'est extrêmement simple. Donc je vais essayer de vous le résumer de manière très simple, parce que c'est très simple. N'ayez pas peur. Un agrégat, c'est simplement un cluster. Je vais utiliser Laurent pour la traduction en français. Un regroupement d'entités et de value object. Il y en a un particulier, l'aggregate root. Alors ça aussi, pour l'expliquer, il y a des années, je me disais, oh là là, comment expliquer ça? En fait, c'est simplement une entité. C'est une entité. Et on va voir après à quoi elle sert. Vous avez compris, l'aggregate en tant que tel, c'est le cluster, le regroupement. Il y a des entités, des value object. Alors, quelle est la différence entre une entité et un value object? Je n'attendais pas de réponse. Alors, les entités, elles ont des identités uniques. Okay. Donc, si elles ont des identités uniques, elles sont modifiables. J'essaie d'utiliser, de trouver les mots en français. Elles sont modifiables. Quant au value object, bah forcément, s'il y a une différence, les value object n'ont pas d'identité. L'identité, c'est par la valeur. Okay. Donc, elles sont immutables. Immuables en français, immuables. Ok, c'est la différence. Parfois, les concepts, une même chose peut être à la fois une entité dans un contexte et une value object dans un autre. Là, c'est là où je vais expliquer. Par exemple, dans un module qui gère des adresses, c'est vraiment son métier, l'adresse va certainement être une entité. Moi, j'ai travaillé dans un système qui gérait l'électricité. L'adresse est un point unique sur la map, sur le monde, en fait. L'adresse est vraiment unique.
Par contre, si on veut référencer dans un système financier, l'adresse, ça, c'est simplement une string, dans la plupart du temps. C'est ça la différence, vous voyez. Une string, un point sur une map, c'est pas la même chose, on est d'accord. On ne change pas le point sur une map comme ça, il a vraiment une identité, c'est vraiment des coordonnées. Que mon adresse vis-à-vis de ma société, par exemple, si je la change, c'est simplement un petit champ. Okay. Vous voyez la différence? C'est important. C'est vraiment presque le plus important du concept. Bien sûr, il y a des relations. Vous voyez la get rule, il est au-dessus. Vous pouvez aussi le mettre en dessous, pourquoi pas. Donc en gros, les entités ont aussi des liens vers d'autres entités et des value objects. C'est simple. C'est ce que vous avez imaginé, tout ce que vous avez toujours fait dans une DBSQL avec du GPA. D'abord, GPA, oui, qui utilise le GPA? Moi pas, mais je veux des mains, ok. Donc vous voyez de quoi je parle. Pour les Java, ici, qui fait du Java? Il y a des noms javistes, ok. Alors pour expliquer ce que fait la Lega Root, c'est très simple. C'est par lui que passent toutes les demandes de modification. C'est tout. Voilà, il m'a fallu longtemps pour comprendre, mais quand on a compris, en fait, vous m'accorderez, c'est très simple. C'est par lui que passent toutes les demandes de modification. En fait, c'est lui qui gère l'intégrité de l'agrégat, du cluster. Okay. Après, le message que... Donc, j'ai tracé un chemin ici. Donc, il peut passer ici, lui va vérifier des contraintes. Ça va passer là, il va vérifier d'autres contraintes. Il va passer ici, il va vérifier d'autres contraintes. Okay. Et ainsi de suite. Ce qui va produire déjà un retour, que je n'ai pas mis là, j'ai oublié. Mais un event. On va voir ce que c'est après, d'accord. Si je remets tout ça, et là c'est un beau résumé, je vais prendre une photo. On essaye le plus possible, et ça c'est expliqué, mais je le trouve très mal, donc c'est quelque chose à vraiment comprendre ici. Quand on fait du DDD, on essaye de designer les contextes les plus isolés possible. C'est important. Mais bien sûr, elles ont des références les uns envers les autres. Ces références, gardez-les les plus simples possibles. Quand je dis simple, donc là vous voyez par exemple, j'ai un ID dans le contexte orange, un ID dans le vert, un ID dans le bleu. Vous voyez que l'orange a une référence vers le vert. Si par exemple l'ID ici est quelque chose de structuré, essayez de l'avoir non structuré dans l'autre. Parce que si vous voulez changer la structuration, essayez de ne pas impacter l'autre contexte. Vous voyez, il faut essayer de... Un changement dans un contexte ne vient pas impacter les autres. C'est vraiment très important. Donc là, c'est facile avec les ID, parce qu'on met des refs et puis voilà. Mais quand on a des concepts un peu plus compliqués qu'un ID, il faut s'assurer de le mapper du bleu vers l'orange. J'ai la petite flèche. Il s'assurait de créer ce qu'on appelle une anti-corruption layer, une couche d'anti-corruption. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de s'assurer que tout ce qui se passe dans un contexte est modélisé en bleu, en bleu, ne doit jamais impacter l'orange. Donc l'orange ne doit pas parler en termes d'objets bleus, il doit parler en termes de ses propres objets. Okay, une modélisation complètement séparée. Pourquoi? Parce que par exemple, si je parle, je gère un restaurant, un restaurant dans la banque, si je parle d'une carte, okay, ou d'un compte, et que, prenons carte et compte, très simple, vous allez le voir après. La carte est liée au compte. Le compte, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'informations. Ce que je vais juste retenir, en fait, c'est la référence vers le compte. L'exemple n'est pas super parlant. Si par exemple, pour un restaurant, vous avez un cuisinier, et pour la chaîne de delivery, le cuisinier qui a un nom, une adresse, ses préférences, pour la chaîne de delivery, c'est juste un alias, on va peut-être l'appeler Nick. C'est la même chose, cuisinier, mais la représentation est différente. Okay? Si on change la représentation d'un cuisinier, il aura toujours un alias dans l'autre contexte. Vous voyez la différence de modélisation? Okay? C'est ça qui fait en fait les bounded, les ubiquitous language, les langages ubiquités, de l'un vers l'autre. Quand on parle d'un cuisinier
dans le contexte de cuisinier, ben, on parle de quelqu'un qui a un nom, une adresse. Dans l'autre, on parle juste de son alias. Vous voyez ? Pourtant, on est dans un même domaine qui a un langage d'ubiquité, mais dans les sous-domaines, on a leur propre langage, leur propre définition. Parce que c'est... Puis je vois des... ça commence à... Alors, ça permet de faire plein de choses. Pourquoi faire ça déjà ? Si par exemple, vous avez un... Le business évolue, ok ? Vous devez... Ça vous donne la possibilité d'étendre votre domaine sans impacter ce que vous avez déjà. Et ça, c'est important. Je ne dis pas que c'est toujours faisable. Okay? Parfois, le business vraiment change. Donc, vous avez des impacts. Mais ça vous permet parfois de créer d'autres contextes sur base de ce qui existe sans rien modifier. Et quand vous avez un changement, encore une fois, essayez de limiter les impacts. Si vous avez bien suivi le guideline DDD, un changement, on limite les impacts. C'est génial. Oui. Si par exemple, je change l'identité du vert, est-ce que je dois prendre en considération, je me dis, l'identité du orange ? Est-ce que la référence reste la même ? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Donc, oui. Voilà. Donc l'ID, un ID, c'est un ID. Hein. Mais par exemple, ce que je voulais dire, on va prendre un exemple concret. Imagine j'utilisais des langues, parce que je suis dans une DB. Et ici, j'ai mis langue. Pour dire, j'ai une référence, un langue. Et je décide ici de dire, langue, c'est pas bien, je vais prendre un UID. Je viens impacter, en fait, le design ici. Tu vois ce que je veux dire? Alors, si tu dis, par exemple, j'ai un langue ici, mais je vais mettre une string ici, tu limites les impacts. C'est bête, hein? Mais tu limites les impacts. Non, moi, je pensais ici, par exemple, on change l'ID du vert, obligatoirement, on doit changer l'ID de l'orange. Ah, tu veux dire changer l'ID vraiment en DB quoi. Ouais. Ben, ça veut dire que tu crées un nouvel objet. Tu vois ? Donc c'est pas la même chose. On parle de, tu as un objet qui existe dans le système, tu viens modifier son état, c'est pas pour ça que son ID change. Si l'ID change, ça veut dire que c'est un nouvel objet. C'est un nouvel agrégat. Donc forcément, tu auras une référence, mais ça veut pas dire que oui, c'est deux nouveaux objets. Alors, parlons valeurs. Je ne sais pas s'il y a des gens qui prennent des décisions ici ou on n'a que des développeurs. Qui est développeur? Qui n'est pas développeur? Ah, cool. C'est-à-dire, pas développeur. Donc, décisionnaire? Ouais, chef de projet. Chef de projet. Et Campus Interface. D'accord. Ok. Alors, justement, pour d'autres personnes, parce que peut-être qu'en tant que dev, on comprend les valeurs, mais pour les autres personnes, ben, la clarté, ça apporte la clarté. Pourquoi ? Ben déjà, en termes de méthodologie, c'est génial. Tout le monde parle le même langage. Moi, j'ai travaillé dans des boîtes où le business parlait de la même chose, de quatre termes différents. Et alors, le problème, c'est qu'il y avait un terme qui était inversé dans le business. Donc l'un parlait de quelque chose, je ne peux pas dire les noms sinon ça va, de quelque chose, l'autre comprenait l'autre contexte. Et moi j'étais au milieu, je me suis dit, oula, je ne comprends rien. Alors on est reparti sur, ok, on va faire du DDD, on prend le langage, et on a exclu un terme en fait. On a dit ça n'existe plus en fait, c'est un vieux terme, jetons-le. On est reparti sur un dictionnaire, donc tout est devenu plus clair. Je me suis dit, mais en fait, ce que j'ai codé pendant 3 semaines, je peux le prendre, le dégager parce que ce terme n'existe plus. Ok, super, ben c'est pas grave. Voilà. Donc la clarté, c'est important. La maintenabilité. Pourquoi ? Ben, il y a plein de règles à suivre dans le DDD. C'est vrai, il y a plein de règles. Mais ça vous permet d'avoir un code et une architecture claire. Et, je veux dire, si c'est clair, maintenable, on arrive vers l'extensibilité. C'est-à-dire, créer des nouvelles choses, ou évoluer, devient plus simple aussi. C'est sympa. On a tous vécu, je pense, enfin, je ne sais pas quel âge vous avez, mais... Casser un monolithe ou étendre un monolithe ou travailler dans un monolithe, c'est bien jusqu'à un certain point et après on a envie de se prendre. Moi ça a été mon cas. Je venais des banques où c'était ultra distribué, je suis retombé dans les sociétés où c'était ultra monolithe et là je reclash. Ben, moi ça me semble bien, on va essayer sur la banque. Okay?
Comme je l'ai dit, on va essayer quelque chose, on verra bien si ça marche ou pas. Commençons par éclater le principe. C'est moi le business, donc je fais ce que je veux. Voilà. Donc j'ai décidé de. Je suis le testeur, le développeur et le business. Donc voilà, je suis un peu. Imaginons que je suis schizophrène. J'ai défini le langage à moi tout seul, mais il y a trois personnes dans ma tête. Okay. Donc on s'est dit, je vais prendre des clients, des comptes et des cartes. Je pense que je ne me gourre pas. Et on va essayer. Donc, en termes de client, il a un ID. Je pense qu'on est d'accord. On va prendre des UID, c'est plus simple. J'aime pas les langues. Le compte. Le compte, il est lié. Nous avons décidé que le compte était lié à une personne. Ça pourrait pas être le cas dans d'autres banques privées, etc. Simplifions un compte à une personne. Donc, c'est là la référence. Okay. Ici, c'est un UID. Ici, c'est un owner. C'est le principe, donc c'est dans mon contexte 15, j'appelle ça le owner. Okay. Le compte a un numéro, et en fait, ça, là, c'est un numéro unique, donc ça peut être son ID. Parce que là, ça va. Et on a carte. Carte, forcément, c'est attribué à une personne. Sauf que c'est vrai qu'on pourrait avoir des cartes d'entreprise, que plusieurs personnes. Bon, simplifions, j'ai dit système. Oui, j'ai dit un système bancaire simplifié. Hein, donc on ne va pas révolutionner le monde bancaire. Je vous l'accorde, mais bon, voilà. Donc, la carte aussi a un owner qui est lié à l'ID du client, mais elle a aussi un compte qui en fait référencie le numéro du compte. Et elle-même a un numéro. On sait bien ça. Puisque là, ça va. Normalement, on est tous censés comprendre le monde de la banque. Oula, ça va trop vite. Après, je me suis dit, bon, si on designait. C'est bien le. Juste pour vérifier, oui. Et si on design un peu plus, nous avons décidé d'avoir des détails, une adresse, une balance, une validité, un code PIN. Strict minimum. Hein. Okay. Pour une fois, on ne va pas révolutionner le monde bancaire. Alors c'est bien, j'ai mon modèle, j'ai mes pratiques, j'ai mon langage. Nous sommes contents. Mais est-ce que ça suffit? Voilà, ça c'est la question. C'est là où je me suis dit, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon application? Est-ce que j'ai envie de faire comme tristement célèbre Microsoft Windows? Bon, vous avez compris, hein, j'ai pas besoin de. Je ne suis pas un grand fan. Je pense qu'on a tous eu l'écran bleu. Moi, je ne l'ai jamais eu. Quelque part, cet écran-là, je ne le connaissais pas. Parce que je ne l'ai jamais utilisé, donc voilà. Ou le fameux truc qui tourne pendant des heures. Enfin, je vais dire des minutes, parce que généralement, on coupe après. Qu'est-ce qui se passe là? C'est le système, il y a un problème. Je ne veux pas arriver là. Je veux que mon système soit réactif à tout moment. Donc je prends la réactive architecture et j'en garde. En gros, c'est quoi la réactive architecture? Quelqu'un connaît? Ouais, ok. Pourquoi un tableau de Raphaël? Alors ça, c'est l'école d'Athènes. Par Raphaël, donc il s'est dit, à ce temps-là, la Grèce, c'était le regroupement de tous les philosophes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je ne vais pas vous faire l'histoire du tableau, mais en fait, là-dessus, il y a tous les philosophes que vous connaissez. Je ne sais plus où ils sont, ok. Mais il y a Ptolémée, il y a Pythagore, il y a tout ce qu'il faut. Alors, pardon ? C'est vrai. Tout à fait, bien. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris ça? Ça voulait simplement dire que l'architecture réactive, c'est vraiment un groupe d'architectes super, super influents, super connus, qui sont mis tous ensemble et qui ont réfléchi. Et ils ont sorti quelque chose. Sinon ça ne sert à rien. Je vais le faire en super résumé, okay, parce qu'encore une fois, on a une heure, et j'ai pas envie que François me saute dessus. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Ce sont les valeurs. Le système maintenable, extensible, responsive. Maintenable, extensible, on l'a avec le DDD déjà. Donc ça, c'est bien. Responsive, par contre, on ne l'avait pas. Donc il faut. C'est ça que je veux. Responsive, ça veut dire en tout temps, mon système, il me dit soit il y a un problème, mais tu peux faire d'autres opérations. Excuse-moi, juste pendant 3 minutes, ça, tu ne pourras pas le faire, mais après, tu pourras revenir. Mais je ne veux surtout pas de. Qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. Ok? Donc ça, c'est vraiment le goal, la target. Alors, ils ont défini des trucs. Ils ont dit, tiens, en fait, on va partir dans tous les sens, on va réfléchir.
Et ils se sont dit, bah, pour être responsive, il faut être élastique et résilient. Est-ce que vous voyez ce que c'est élastique et résilient? Non. Élastique, c'est le principe de pouvoir monter, upscaler, downscaler, à la demande. Ça, c'est être élastique. Pardon? Scroll. Le scroll? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose là. C'est autre chose. Résilient, ça veut dire quoi? Ça veut dire si une partie du système crache, parce qu'une partie du système ne crache pas, rien n'est toujours up and running, il faut essayer de compartimenter ça et de ne pas déborder sur le reste du système. Donc si par exemple j'ai une partie de mon contexte qui crache, je ne veux pas que tout crache. Je veux qu'une partie du contexte crache, ça va revenir. Parce que comme c'est élastique, ça va cracher, ça va diminuer, mais ça va revenir. Vous voyez la différence? Donc ça c'est ce qu'il faut être. Et pour être ça, ils se sont dit bon, on n'a pas le choix, il faut être message driven. Alors quand j'ai lu ça, je le prenais pas mal, ça c'est moi, hein, c'est comme ça que je... Enfin nous. Je me suis dit message driven. J'ai entendu parler de event driven, mais message driven, ils sont plantés ou pas? Ben non en fait, ça aussi c'est moi. Il parlait vraiment d'autres types de messages, et notamment trois: comment, query et event. Alors généralement, vous pouvez regarder plein de trucs sur internet, c'est ça qui me frustre beaucoup, c'est event driven dans tous les sens. Event streaming, event driven, c'est, voilà, c'est la panacée, Kafka, tout le bazar. C'est assez frustrant. On va voir pourquoi on a rajouté ces messages, et surtout à quoi ça correspond. Donc, les events, on sait ce que c'est. Quelque chose s'est passé dans le système. Voilà, c'est tout. Quelque chose s'est passé dans le système. Comment des queries? Ben, vous pouvez, d'après le nom, j'imagine que vous avez déjà compris. Comment on veut modifier? Non, on veut modifier. Ça ne veut pas dire que quelque chose a été modifié. C'est qu'on veut modifier. Une query, on ne veut rien modifier. On veut récupérer de l'information. Une query. Jusque là, facile. Et là, on se dit, ah oui, ok, mais pourquoi? Toujours pas dit pourquoi. Et là j'arrive à CQRS. Là j'espère répondre un peu à la question. Et là c'est Greg Guillaume. Vous voyez son visage est très particulier. Il n'a pas de photo, Greg Guillaume. Je suis assez déçu. A inventé la timeline, c'est plus ou moins en 2010, je pense. On va vérifier ça. Et c'est un grand architecte et DBA. Il vient des DB. Et pendant des années il s'est dit j'en ai marre, mes queries deviennent de plus en plus lentes. Je pense qu'on a tous vécu ça. Dans n'importe quel DB, à un moment donné, là, ça devient de plus en plus lent. Vas-y, je t'écoute. J'ai une question. Oui. J'ai pas vu la sécurité. Pourtant, si je parle de moi, on parle de sécurité aussi. Oui. Si tu veux, on pourra en parler après. Si tu veux bien, je vais essayer de fuser, de faire la démo et après, on en parle tant que tu veux au bar. Donc, il s'est dit, mais mes queries sont de plus en plus lents. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, on a tous déjà dénormalisé, changé les trucs, etc. Puis il s'est dit, c'est super, mais maintenant, quand j'écris, c'est super lent. Donc je lis vite, mais j'écris plus lentement. Il dit, ben, j'ai essayé autre chose, on va optimiser. Et après des essais, pendant des années, il s'est dit, en fait, mathématiquement, on peut même le prouver, c'est pas possible. Donc arrêtons. Donc là, je ne parle pas d'une application pour gérer votre liste de courses. Hein. Je parle d'une application, un gros bazar, une banque. Okay. Certains ont dit, ouais, moi, je n'utilise pas, ça marcherait bien. Si vous avez, comme on discutait tout à l'heure, 100 utilisateurs, oui, vous n'avez peut-être pas de problème, c'est sûr. Si vous en avez 100 millions, peut-être, alors des milliards, là, vous assurez que vous aurez le problème. Donc la timeline, c'était 2010. Okay. Encore une fois, quand je suis à DevOps, on me dit, ouais, c'est hype hein, comme truc. 12 ans. À 12 ans quand même. Donc, hype, non. Je vais l'expliquer autrement. Donc, on a Big Fat Model, on connaît tous. Okay. Même problème, ça va super vite à l'écriture, pas trop à la lecture. Bon, super vite à la lecture, plus trop à l'écriture. Là, qu'est-ce qui se passe? Et on essaie de faire les deux, et ben, ça ne marche pas. Donc, ce que dit Greg Guillaume, arrêtez, splitter. D'un côté, on a un write model et
On va voir après le read model. Pour l'instant, on dit le read model. On va faire en sorte que tous les deux soient optimisés. Il a trouvé une manière de designer son write model pour il écrit, c'est super. Après, ce qu'il veut, donc, on ne parle pas de comment ça se passe, mais après, il dit ce serait vraiment chouette que mon read model soit celui-ci. Parce que je fais cette query-là, index simple, et j'ai toutes les données qui m'intéressent. Super. Mais maintenant, manque quelque chose. Ce qu'on va écrire et comment est-ce que ça se retrouve dans l'autre DB. Alors, il s'est dit à un moment donné, oui c'est bien, mais ça marche pour cette query-là. Mais pour l'autre, ça ne marche pas du tout. Ce modèle-là ne va pas. Alors, est-ce que je recommence à faire triturer mon read model pour essayer de répondre à tout? Ben, je retombe dans ce qu'on a expliqué qui ne fonctionnait pas. Donc non. Donc c'est quoi la solution? Faisons des modèles vraiment tailor-made pour chaque query, pour chaque besoin, je veux dire, pour chaque besoin. C'est bon, vous me suivez? Ouais. Ouais, super. Alors là, il manque. On va parler d'autre chose. Alors, j'essaie d'aller trop vite. Ce qui s'est dit aussi, c'est que, en fait, dans le besoin d'écriture et le besoin de lecture, le besoin de scalabilité est complètement différent. C'est-à-dire, d'un côté, ça c'est le cap théorème, hein, okay, je ne sais pas si tout le monde connaît le cap théorème. On va dire, qui connaît le cap théorème, c'est toujours mieux dans le positif. Pas beaucoup, donc je vais réexpliquer. Okay. Donc, le cap théorème, c'est un théorème qui dit, on a ces trois valeurs qu'on essaie d'atteindre. La consistance, la disponibilité et la tolérance à la au partitionnement. On parle réseau. Okay. Vu qu'on est de plus en plus dans un monde distribué, plus en plus de réseaux, etc., plus en plus de petites machines, ça, on en a besoin. Okay. Et le cap théorème dit, on peut choisir deux de ces trois-là, mais jamais les trois. C'est impossible de les avoir en même temps. Donc on peut choisir. Okay. Mais comme on sait qu'on a besoin d'être partition tolerant aujourd'hui, ben en fait, on doit choisir. Disponibilité ou consistance. C'est ce qu'on doit choisir. Alors à votre avis, bon, c'est vraiment dommage que les couleurs suivent la présentation, mais où a-t-on besoin de consistance? Dans le read ou dans le write? Dans le write. Tout à fait. Alors je serais très heureux en tant que client d'une banque de pouvoir faire moins 500 sur mon compte alors qu'il me reste 200 et que j'ai pas de ligne de crédit. Je serais très heureux. La banque, pas. Donc on a besoin de consistance. Vous voyez? Ça, c'est la consistance. Le read model, quand je fais une transaction là dans la seconde et que je vais voir sur mon application bancaire, oh, elle n'est pas là. C'est pas grave, je ne vais pas mourir. Elle arrivera dans une minute. C'est pas grave. D'accord. Donc en fait, je m'en fous d'être super consistant dans ce cas-ci. Mais je veux que mon application me réponde. J'ai pas envie d'avoir le oups, désolé, nous sommes en maintenance. Ça va m'énerver. Par contre, si elle me dit, ben voilà ton solde, voilà tes dernières opérations, ben, pas de bol, tu n'as pas la toute dernière que tu viens de faire là maintenant. C'est pas grave. Elle a créé quoi? Mmh. Est-ce que ça existe en temps réel? Ben, en Belgique, les systèmes, c'est en temps réel, oui, c'est ingesté dans la minute. Pardon? Dans la minute. Ouais. Donc c'est pas temps réel, c'est presque temps réel. Mais le plus chiant, bon, pour en parler après, c'est les échanges entre banques. Quand on est dans une banque, c'est simple. Quand on est échange entre banques, c'est-à-dire moi je suis chez ING, quelqu'un est chez Fortis, on s'échange de l'argent. Les process maintenant sont de plus en plus rapides parce que la banque centrale est de plus en plus rapide, mais avant ça prenait parfois des jours, ça prenait 3 jours. Donc c'est... Mais encore une fois, ça prend 3 jours, c'est pas pour ça que je suis énervé de dire « ça marche pas ton truc ». Non, je sais que ça viendra dans 3 jours, c'est pas grave. Donc il faut choisir. On a bien compris, le bleu consistant, le vert disponible, et vous avez compris pourquoi. Vous pouvez dire non, hein, je réexplique. Ah bon? C'est en fonction du domaine. Là, c'est le domaine de la banque, on a besoin d'être consistant. Ah, dans une écriture, il faut toujours être consistant, même peu importe la banque ou pas. Hein. D'accord. Donc, par rapport au... quand tu prends une décision, tu dois être consistant. Mm-hmm.
Parce que si tu prends une décision, tu valides quelque chose et on viendra après dans le système de validation, tu crées un événement qui est faux. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas faire. C'est pour ça qu'on veut que ça soit absolument consistant. Alors comment scaler et être consistant? Si quelqu'un sait, avant que je ne passe au slide suivant, est-ce que vous savez comment on scale en étant consistant? Personne? Ah, intéressant. Ok. Comment est-ce qu'on scale en étant disponible? Alors vous le savez, vous êtes shy. Non? C'est sur la partition. Oui, ben il y a, oui, madame. Voilà. Oui. Bon, on va répondre. Ah, ah, ah. Du sharding pour le poids consistant. Voilà, exactement. Sharding. Et l'autre? Réplication. Voilà, c'est tout. On charde d'un côté, on réplique. Voilà, simplement. Est-ce que vous savez ce que c'est le sharding, pour ceux peut-être? Donc, répliquer, c'est facile. Hein. On prend trois nœuds, il y en a un qui est maître, bon, là je prends le graphe, mais il y en a un qui est maître, on duplique l'information. Super. Et quand on vient attaquer, ben, c'est distribué sur les autres. On sait qu'on est éventuellement consistant parce qu'il y a une réplication, mais la fenêtre est petite, donc ça va. Par contre, sharder, ça ne marche pas comme ça, parce qu'on ne peut pas prendre une décision sur quelque chose qui n'est pas bon. On ne peut pas répliquer. Sharder, c'est simplement, on a plusieurs nœuds, on va distribuer les entités sur ces nœuds. Et chaque nœud est responsable de cet agrégat-là. Okay? Donc ça veut dire que tous les messages, même s'il y a 3, 5 nœuds, un message arrive pour l'agrégat X, il est routé de manière consistante au même nœud, tout le temps. Donc on charde en fait. On distribue vraiment les agrégats sur les nœuds. C'est ça le sharding. C'est comme ça qu'on maintient la consistance parce qu'il n'y a pas de concurrence. À chaque fois qu'il se passe une opération, on redistribue ça de manière consistante vers le même nœud qui, lui, reséquentialise toutes les opérations et donc renforce la consistance. Ok ? Si vous pouvez dire non, hein, je réexplique. C'est bon ? Là, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, donc, il y a une espèce de transfert du write model vers le query model. Et là, c'est là où généralement les gens sont « Ah non ! J'ai peur !» Vous connaissez la référence? Non. Personne n'a vu Conjuring? Et là, il y a la personne, un DevOps qui me dit « Oui, mais ça veut dire que quand je lis, c'est pas consistant. C'est éventuellement consistant. » Je dis « Oui. » Mais j'arrive comme ça en disant « Mais ne tracasse pas. Tout ce que tu vois, en fait, n'est qu'éventuellement consistant. C'est juste que la fenêtre est très petite. » Voilà, je joue au con. Ce que j'aime bien. Quand je regarde quelque chose, c'est de la lumière en fait qui revient. Ça va très très vite. Mais en fait, l'objet que je regarde, il a bougé. Vraiment rien. Donc c'est éventuellement inconsistant. Quand je regarde les étoiles par exemple, je vois des étoiles qui sont mortes. Je ne vais pas mourir, mais elles sont mortes. Par contre, je ne peux pas prendre une décision, c'est là où vous allez voir le truc, d'aller visiter une étoile, parce que je la vois, mais en fait elle n'existe plus. Parce que la lumière, le temps que la lumière revienne à mes yeux, elle est déjà morte. Vous comprenez l'éventuellement consistant et la prise de décision? Oui. Donc, comment ça marche? Comment est-ce qu'on synchronise? Là, on utilise des événements, évidemment. C'est là le... Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Par exemple, Greg Young disait, j'ai fait ça avec des triggers en DB, hein, dans la même DB. J'ai fait du CQRS avec des triggers, ça marche. Et évidemment, ne le faites pas, parce que quand la DB tombe, il n'y a plus rien. Bon, voilà. Donc, on utilise les événements. Et c'est là où on va utiliser les autres. Comment des queries? Évidemment, comment pour modifier les queries pour lire? Je regarde. Hein. Et oui, mais on n'a toujours pas répondu. Pourquoi utiliser ces messages? Oui, c'est bien, on a bien compris qu'on avait commandé des queries. Ben, pourquoi? Parce que ces messages ont une sémantique extrêmement différente. Et la manière de router ces messages est très différente aussi. Par exemple, pour une commande, dont je vous ai un peu expliqué le fonctionnement déjà, donc un commande bus, c'est pas simplement dire je balance ça sur une queue, quelqu'un va la prendre parce que j'ai plusieurs consommateurs. Parce que là, on n'a pas la consistance, on n'a pas le sharding. Donc en fait, tout le calcul ici, c'est de distribuer de manière consistante les commandes vers le bon nœud, vers le bon commandant nœud. Vous voyez déjà, c'est pas compliqué, hein, mais
C'est pas trivial. Les événements, ben ça, on sait bien. Vous, c'est quelque chose, tous les event handlers, on le lit, on ce qu'ils veulent avec. Bon, ici, j'ai mis, on balance dans le Projection Store, on verra après. Projection Store qui est en fait le read model. Hein. Et ça peut être des read models différents, évidemment. Je pourrais avoir un Mongo, je pourrais avoir un Elasticsearch, je pourrais avoir un SQL. Pourquoi? Pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas? Je peux avoir plein de choses. Mais tous vont recevoir le message. Donc c'est différent de la commande. Et la query, c'est encore différent. Parce que là, vous pensez query, je fais une query, je vais sur une DB, j'ai un résultat et on me le retourne. Donc c'est un peu de la compétition au premier qui gagne. On peut faire plus que ça. On peut carrément faire de la compétition avec plusieurs résultats. Donc j'ai plusieurs query handlers qui, je lance une query, mais il n'y en a pas un qui va me répondre, il y en a plusieurs qui vont me répondre. Et là vous me dites, ça sert à quoi? C'est très simple, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous vendez du textile. Okay? C'est le mois de juillet, je ne sais pas si ici en France c'est comme en Belgique, mais le mois de juillet c'est le discount. Super discount. Ben, est-ce que vous avez envie, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui vont, enfin, qui gèrent des applications qui font ça, est-ce que vous avez envie de changer les prix de tout le référentiel prix en juillet? Ou est-ce que vous voulez créer un nouveau module qui dit pour cette catégorie-là, moi je vais prendre le référentiel mais je vais appliquer un moins 10%, celui-là moins 20, celui-là moins 30. Et en fait quand je demande le prix de ce textile, les deux me répondent. Il y en a un qui va me dire ben, c'est 100€, l'autre qui va dire 80. Je suis gentil avec mon client, je prends le plus petit et j'ai appliqué un discount sans changer mon référentiel avec un système qui est là que je peux dégager. Et quand je le dégage, en fait, il n'y a plus de discount. Vous voyez? Et ça, on n'y pense jamais, mais c'est super intéressant. Encore une fois, ce modèle-là est complètement différent des autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut les trois. C'est important d'utiliser les trois sémantiques, les trois types de messages. Parce que le routage est différent. Les use cases sont différents. Parce que c'est bien compris ça. C'est important. Ouais. Là, vous avez les équations. J'aime bien ces équations. Là, généralement, les gens sont là. Ah non ! C'est très simple. C'est comment ça fonctionne. On a une commande. On a un état d'agrégat. Okay. Sur la base de cet état, de cette commande, on prend une décision. On accepte, on la rejette. Quand on la rejette, on crée un statut négatif disant on ne peut pas faire ça, on ne modifie pas et on ne crée pas d'événement. C'est un rejet. Parfois on en crée un. Je vais revenir, j'ai un exemple justement dans la banque. Est-ce que vous pouvez dire, à votre avis, quel est l'exemple de la banque qui rejette un paiement refusé. Voilà, paiement refusé et le PIN code. Je paye, mauvais PIN code. Parce qu'après 3, mauvais PIN code, ma carte elle est bloquée. Donc je dois le savoir. Donc ça vient modifier le système. Soit, imaginons que j'ai un statut positif, donc j'accepte. Ben, je dois modifier mon nouvel état. Et je dois produire un événement. Et je dois répondre, c'est bon. Pourquoi je dois répondre? Il y a des gens qui me disent non, asynchrone. Non. Quand je vais faire une course, bon là c'est le milieu bancaire, mais c'est dans tous les domaines, je peux vous le dire. Je mets ma carte. Je suis sûr que moi je veux bien reprendre ma carte et partir, mais le magasin il a pas envie. Il dit oh attends, je veux savoir si c'est bon. Oui, je ne veux pas avoir l'argent sur mon compte, mais je veux savoir que c'est bon avant que tu quittes. Oui, bien sûr. Donc le synchrone, quand on utilise l'asynchrone, quand on utilise les commandes, c'est un mythe. Il n'y en a pas. La réponse, elle est immédiate. La réponse est en synchrone. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas asynchrone. Hein. Ok? Et le statut revient de manière synchrone. L'événement. On a un événement, on a un état de projection, de read model, tout ce que vous voulez. Bah, on va changer ce modèle. Très simple. Pas de retour, pas de statut. La query, on a une query, on a un état de projection, et je veux une réponse. Pas de modification. Ça, ce sont les équations du CQRS. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous allez voir que ça va changer. Mais si vous avez tout compris, quelles sont les valeurs? Élastique. Pour
quoi? Parce que maintenant qu'on a deux modèles différents, je vais le mettre comme ça, c'est... On peut scaler. Et on peut scaler de manière efficace. On peut sharder, on peut répliquer. Donc on peut être élastique. Résilient. Ben pareil, comme on a séparé, s'il y en a un qui crache, l'autre pas. C'est pas mal. Et inversement. Et parce qu'on est chardé et répliqué, évidemment, ben on peut, si un nœud pète, on est répliqué, on s'en fout. Si un nœud est, du chard est cassé, là on s'en fout pas. Mais il y a d'autres chards qui fonctionnent toujours. Vous voyez, c'est là la résilience du système. Donc quelque part, si on est les deux, on est responsif, j'ai gagné. Architecture réactive. J'y vais toujours. Super. Bon, j'ai compris CQRS. J'ai compris le DDD, CQRS. Bah, je vais essayer de modéliser. Alors, Laurent va certainement rigoler. J'ai fait un nouvel modeling qui essaye de tenir sur un écran. C'est pas comme ça qu'on fait. Oui, ne me le dites pas, s'il vous plaît. Mais voilà, j'essaie de le fitter sur un écran. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, j'ai placé mes agrégats. C'est de l'Archimède, hein, pour ceux qui se posent la question, c'est de l'Archimède. J'utilise beaucoup Archimède. Agrégat, agrégat. Les commandes en bleu. Et en fait, j'ai défini les commandes du système. Il y en a une qui manque, mais vous avez toutes les commandes, tous les événements du système. En gros, je peux enregistrer un client, me corriger ses détails, corriger son adresse. Quelqu'un va me dire, pourquoi pas update? Personne me le dit? Pourquoi pas juste update? Je vais vous expliquer un truc. Déjà, les détails, c'est le nom et le prénom. Si je les update, il y a un problème. Le gars change d'identité? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ou pas? Il s'est remarié. Comment? Il s'est remarié. C'est Marie. Ben voilà, par exemple. Ben il manque, tu vois, changement de. Tout à fait. Changement de statut marital, par exemple. Mais ben, on va être précis. Mais dans l'adresse, moi ça m'est arrivé où j'essayais d'expliquer à mon client, dire arrête de faire update adresse. Ben, on s'en fout, j'ai updaté l'adresse. Oui. Le problème c'est que quand on modifie l'adresse dans le système, c'est un système d'énergie. Donc, on était vendeur d'énergie. Le gars généralement se déplaçait, donc en fait il changeait de maison. Okay. Qu'est-ce qu'on faisait marketing? On envoyait un mail à l'ancienne maison en disant vous ne nous connaissez peut-être pas, mais nous sommes voilà X et nous vendons de l'électricité. Ah super, le gars qui va arriver là-bas, bah ouais je te connais, je t'aime pas, ou je te connais pas et peut-être c'est intéressant, je vais t'appeler. On attirait le client qu'on ne connaissait peut-être pas. Et bien sûr, parce qu'au marketing, il faut être bien avec le client, on envoie un beau petit courrier à la nouvelle adresse. Bienvenue chez toi, j'espère que tu nous as choisi pour ta nouvelle maison. Et maintenant, que se passe-t-il quand l'adresse était fausse, mais que le facteur était assez malin pour comprendre qu'en fait c'était bien là-bas? Ben, le gars recevait deux courriers. Bienvenue, on ne te connaît pas, mais bienvenue dans ta nouvelle maison. Et ben, tu es dans ta nouvelle maison, j'espère que tu nous as choisi. Client, allô, vous êtes dingue ou quoi? C'est quoi votre système? Ah merde, oui, effectivement, il y a un petit problème dans le bazar là. Et là, Fred, il dit, ben oui, je vous l'ai dit mille fois, c'est pas update, c'est on fait un move ou on fait une correction. Et en cas de move, on lance le process de bonjour, bonjour. En cas de correction, on ne change pas le process. On ne trigger pas. Vous voyez l'importance d'être précis? C'est pour ça que vous ne voyez pas d'update. J'enregistre, je corrige, je pourrais dire plein de choses, pour aussi j'ai changé d'adresse. On a les événements qui correspondent. Chaque fois, j'ouvre un compte, je ne crée pas un compte, je ne le vois pas. Par contre, j'ouvre un compte à la banque, c'est comme ça qu'on appelle l'opération. Je le ferme, je dépose de l'argent, j'en retire. Il y a d'autres opérations, mais on va rester sur ces quatre-là. On a les événements qui correspondent à chacun des commandes. Et là, vous allez me dire, est-ce que c'est toujours le cas? Non, heureusement, j'ai un exemple où c'est pas toujours le cas. 10 minutes? Oh là, ça va être short! Oh là, c'est vite, hein? Ça va être short. En gros, voilà le modèle. Et ici, j'ai modélisé, vous voyez les deux process où je dis, quand j'ouvre, par exemple, je crée un customer, je veux créer un compte automatiquement. Quand je crée un compte, je veux créer une carte automatiquement. Je veux que tous les événements aient
dans la vue. Et je ne veux créer qu'une seule vue. C'est dans ma tête. Hein. Alors, super, est-ce qu'on a tout? Mais là, je vais speeder. Donc, désolé, mais ça va speeder. Donc, non, il nous manque l'event sourcil. Et là aussi, à Devox, là, j'ai vraiment rigolé. Parce que, non, l'event sourcing, c'est super. C'est vraiment super hype, ça a été inventé il y a quelques années. Ça, c'est les fondements de l'event sourcing. Regardez la date, je ne. C'est pas une blague, hein? C'est pas une blague. C'est le système à double entrée. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est en comptabilité. C'est vraiment les fondements de l'event sourcing. Donc, quand on me dit c'est tout nouveau, non, c'est très très beau. C'est l'origine de ça, on a vu aussi dans ce système. Comment? Du nouveau check de la comptabilité pour XP, le père programmé, c'est un peu la même métaphore et c'est de ça que. Voilà, tout à fait. Belle métaphore. Le système tech. Exactement. Alors, je vais essayer d'expliquer event sourcing très rapidement. Event sourcing, donc ça vous vous souvenez, c'est CQRS complet. Event sourcing, qu'est-ce qu'on fait? Cet état qui est une snapshot, on le retire. Et en fait, on met l'histoire dans la grille. On écrit les events. Qu'est-ce qui est plus optimisé que de faire de l'append d'event dans une DB? Rien. On ne peut pas battre ça, c'est super rapide. Ça nous permet de faire d'autres choses. Une DB est corrompue, je reconstruis ma DB. Parce que je peux revenir à l'état 0. Je prends la DB, je la jarte. Je recommence depuis le début, la DB va revenir. Sympa. Par exemple, je me suis gouré dans les calculs en faisant des transactions. C'est 4 décimales, pas 2. Ah zut. Qu'est-ce qu'on fait? On téléphone tout le monde. Désolé, je ne sais pas combien il y en a. Bon, il n'y en a que 2 là pour le moment, il en faut 4. Je vais te mettre 0,0, ça va? Non. Donc non. On réécrit le read model, on jette la DB et on redémarre. Et hop, tout va revenir. Ça va prendre du temps, mais ça va revenir. Nouveau modèle, je sais pas, la BI vient et dit « Ah maintenant je veux ce nouveau dashboard. » Oui, ben, migration de données, tout ça, non. Tu programmes, tu le déploies et il va relire depuis le début. Et il va se reconstruire, ça va peut-être prendre des jours, mais il va revenir tout seul. C'est sympa. Donc voilà, là on a le nouveau modèle. Donc dans les équations, j'ai pas mis celle qui n'a pas changé, les queries qui n'ont pas changé. Et l'événement n'a pas changé non plus. Par contre, on a cet état là maintenant est reconstruit sur la liste des événements maintenant. Plus simple. Et sur base de la liste des événements, on peut recréer une nouvelle projection. Qu'elle a été corrompue ou qu'elle n'existe pas, on peut recréer une nouvelle. C'est sympa. Donc on a une équation en plus. Quelles sont les valeurs? Alors on a la visibilité, on peut dire traçabilité. Quand on regarde l'état d'un compte, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas juste dire 523 euros. Non, c'est et plus, moins, plus, moins. C'est exactement dire, ok, je comprends. L'évolutivité, oula. Vous l'avez vu, je peux rajouter un nouveau dashboard sans migration. Donc évoluer le read model, qui est quand même le plus chiant, c'est facile. Donc comme c'est facile, on est dans la simplicité en fait. Donc les gens qui disent que ça complexifie, oui, il y a certaines choses qui se complexifient. Si vous voulez faire le framework vous-même, par exemple, ça va être très compliqué. Mais si vous faites le design de ces patterns-là, en fait, et que vous comprenez bien, et que vous commencez bien, c'est très simple. Ok, maintenant on a tout. Ça, je vous présente mon architecture personnelle idéale. Donc on a des domaines services, des orchestrateurs, des vues, et les interfaces. Chacun de ces machins-là est un container pour mon architecture. Là, vous allez me dire, interface, container, en HTTP. Oui, oui. Le contrôleur est dans un container. Les domaines reçoivent des commandes, produisent des statuts, répondent en statut, produisent des événements dans l'event store. L'orchestrateur, il reçoit les événements, il produit les commandes, il reçoit les statuts. Les vues reçoivent des événements, modifient la DB, répondent aux queries. Ok, chacun a ces petits morceaux. Et bien sûr, l'interface est là pour diriger tous les messages vers la UI, par exemple. On a des patterns, enfin, des composants, commande bus, event bus, event store, query bus. Que si ils sont là, c'est beau, mais il faut trouver l'implémentation. Okay. Alors, ça, c'est mon petit humour personnel. J'adore cette image, je vous laisse le lire. Mais si quelqu'un me dit qu'il a la roue, je suis dans ce cas-là, je prends la roue. C'est ce que j'ai fait. Je me suis dit,
n'ai pas réinventé le truc moi-même, j'ai 3 jours hein, pour ADVOX, je n'ai pas réinventé le framework moi-même et le serveur, je vais les prendre. Ok. Donc là, on a la solution Axonic. On a plusieurs solutions. Tout d'abord, on a le framework. Le framework, il vous aide à faire le DDD, CQRS, Event Sourcing. Il définit en fait les composants, les abstractions des composants, certaines implémentations aussi. Okay. Le serveur, par contre, lui, implémente vraiment tous les composants. Prend une solution vraiment all-in-one. Donc vous connectez avec le framework et le serveur, et en fait, vous ne faites que rien, vous ne faites que produire du business. Sympa. Lui, par contre, tout ça est open source, free to use. Un seul nœud, par contre, ou bien, voilà, c'est là le petit côté qui se coule. Ça, là, par contre, on peut scaler. 3, 5, 7, vous savez, c'est toujours le quorum, donc le nombre impair. Ça, c'est pas gratuit. On a le cloud, qui est en fait le serveur, mais géré pour vous dans le cloud. Et on a le modèle Data Protection. Et ça, on en discutera après. Ça va ? Ça gère le GDPR dans un système distribué, mais pas que. Alors pour la démo, bah oui, j'ai décidé de reprendre la roue et de mettre l'Action Server. Comme ça, j'ai tout. Facile. Mais j'ai gardé tous mes composants. Ce qui a changé, c'est que dans mon idéal, l'orchestrator est directement sur l'Event Store. Pour le moment, ce n'est pas encore faisable en Axon. Ça va bientôt venir, je suis en train de pousser ça à mort. En fait, en gros, le domaine discute avec l'Axon Server et agnostique des orchestrateurs, des vues, etc. Et tout, Oui, il ne sait pas, lui, ça c'est vraiment bon design. Hein. L'Axon Server, c'est un routeur de message, routeur, plus un event store. Donc il fait tout, commande bus, query bus, event bus, event store. Il fait tout ça en un. Donc il va router les messages, bien sûr router les messages avec les sémantiques qu'on connaît. Donc consistent hash pour les commandes, query il peut faire la compétition avec plusieurs query handlers, event forcément il broadcast, tout ça il le fait. Et en plus de ça il store les événements. Et on peut lui demander s'il te plaît j'aimerais bien revenir dans le passé etc. Ok, j'ai assez parlé. Est-ce que quelqu'un peut attacher François à la chaise parce que là je vais prendre un... Il est pas là. Super. Bon, on va voir du code maintenant. Donc, vous voyez bien là. Hein? Bon, là, c'est pas grave. Tout ce que vous voyez, c'est mon terminal. Donc, j'ai compilé et j'ai déployé. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont les containers que j'ai fait pour ma démo. Donc, je vous mens pas. C'est assez distribué comme machin. Hein? Ok. Maintenant, on va voir le code. Bon, désolé, ça va aller vite, mais une heure, c'est short, hein, François. 50 minutes 5 minutes. Ok. Donc ça, c'est mon... Vous voyez bien ici, je vais passer en mode présentation, si vous voulez. Ok. Donc là, c'est mon monorepo. Monorepo Maven. Pourquoi Maven? Plein de gens m'ont demandé Maven. Dans ma Maven. Je ne suis pas convaincu, mais voilà. Monorepo, par contre, ça, je suis convaincu. Quand je compile, tout est cohérent. Je n'ai pas un problème dans le déploiement. On dit, ah, celui-là n'est pas compatible. Non, ça compile, c'est compatible. Alors, on a le même découpage que je vous ai montré. On a des domaines, on a les orchestrateurs, les vues, bon, j'en ai qu'une. Et on a les interfaces, j'en ai qu'une aussi. Ici, ce sont les domaines services. Et je vais vous montrer bon, la magie du framework. Ici, c'est plutôt, si vous allez voir, la magie de Kotlin. J'ai tout modélisé. Je ne vais pas passer en détail parce que bon, 5 minutes, ça va être short. Donc ça, ce sont des data classes en Kotlin. Je vous invite, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais on expliquera au bar. Je mettrai mon laptop là-bas, en fait, ce sera peut-être mieux. La seule chose qu'on va mettre, c'est une annotation dans les data classes qui dit « ça, c'est l'identifiant de mon agrégat ». C'est tout. Ok. Donc, je modélise les events de la même manière, sauf que là, je n'ai pas besoin de l'annotation. Je modélise un peu mon modèle et j'ai mes erreurs. Je suis un programmeur fonctionnel dont je n'ai pas d'exception. Voilà, je déteste ça. Donc, j'ai vraiment des retours fonctionnels.
un compte invalide, un compte qui existait, j'ai un compte qui a été fermé, j'ai pas assez de crédit. Tout ça, ce sont des erreurs qu'on attend. C'est pas un disque qui a pété, c'est quelque chose auquel je m'attends. Ok? Comment je fais une application d'écriture? Je vais vous en montrer qu'une. Ça, c'était l'heure. Ben, en fait, je suis dans les temps. Alors, ça, c'est un module, ok? Donc, celui-là, c'est un module que je déploie, c'est un container. Que vous verrez, en fait, accent de commande, account de commande. Donc, je ne vous mens pas, hein, c'est un module. Alors, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Je n'ai que trois classes. Trois fichiers. J'ai la Spring Boot Application, qui reste très simple. Bon, ça, c'est pour optimiser. Snapshoter, mais je vous expliquerai après, au bas. J'ai mon agrégat, qui est mon compte. Je mets une annotation, je définis mon snapshotter, je vous expliquerai au bas. Je définis ma classe. Je mets une petite annotation qui spécifie ce champ-là, c'est mon ID. Et après, je définis encore avec annotation, voici mes commandes handler. Je définis commande handler, méthode, la commande, je fais mon business. Mon business, c'est quoi? Je suis event sourcé. Ah tiens, écrire dans des trucs, pousser les événements, dire que... Non. J'applique l'événement dans le système. Qu'est-ce que ça fait, ça? Donc déjà, le fait de recevoir la commande, le routage me vient chez moi, je me reconstruis avec tous les événements, je prends la décision, donc ça, c'est ce que vous voyez, la décision, il n'y a pas de décision, j'ouvre un nouveau compte. J'applique l'événement, c'est-à-dire je vais écrire dans le store et je le broadcast à tout le monde. Tout ça en faisant ça. Parce que j'aime bien être clair, je mets tout sur une ligne, mais en fait c'est une seule ligne. C'est sympa quand même. Après il y a des validations. Je veux déposer de l'argent, ben, si le compte est fermé, non. Donc regardez la simplicité. Si c'est fermé, on répond à compte fermé. Sinon, applique l'événement. Je veux retirer de l'argent, ça c'est un peu plus tricky. Si le compte est fermé, toujours je réponds la même chose. Par contre, évidemment, si la balance est plus petite que le montant, ben, j'ai pas assez de crédit, sinon j'applique. Ça, la fonction s'exécute en fonction de la commande qu'on a là-dessus. Oui, c'est ça. Donc en fait, le routing, excuse-moi, hein, j'essaie de vraiment aller très vite. Ouais, je voulais valider. Donc, mais on va le poser là-bas. Donc le command handler, ici, en fonction de la méthode, on s'en fout du nom. Tu mets command handler et ton type de commande ici. Le framework est assez malin, tu dis ok, ça c'est un command handler. Chaque close account qu'on lance dans le système, je vais le router de manière consistante vers lui. Donc même pas besoin de réfléchir à je vais me connecter, non. C'est ça. Et après on a les event sourcing handler. Qu'est-ce que c'est? Comme je suis event sourcé, je ne peux pas modifier mon état dans les command handler. Mon état, c'est pas dans une DB, il est dans l'event store. Donc le fait d'appliquer un événement, je vais modifier mon état. Mais après. C'est-à-dire ça va me servir à reconstruire mon état. Quand je reçois une commande, je dois aller revoir toute mon histoire, me réhydrater, on va voir mon état, prendre la décision, produire un événement. C'est grâce à cela qu'on vient modifier son état, qu'on vient réhydrater. Même chose, non pas le même nom. Ils disent, je suis un event sourcing handler, je viens modifier l'état en fonction de l'histoire qu'on avait dans le store. Tout se répète au niveau des domaines. Donc, la question. Là, tout à l'heure, tu as monté ton terminal. Oui. Est-ce que, par exemple, un module, il a une version? Non, c'est la version du mono, repo. Donc, tous à la même version. Voilà. L'interface, je vais vous montrer dans l'ordre comme ça. Bah, toujours une application Spring Boot. J'ai les contrôleurs de chacun de mes domaines en un seul module. Pourquoi? Si je veux offrir une interface gRPC, je crée un nouveau container. Je ne vais pas commencer à modifier. Okay. Ce qui est bien, c'est que quand je fais ça, je vais générer le swagger, c'est pas distribué dans plein de trucs, c'est en un seul container. Je peux aussi le scaler en plein d'instances de containers, parce qu'il est complètement stateless. Et c'est le contrôleur que vous connaissez. Sauf que pour lancer une commande, ben, on a un composant, on lui dit simplement, envoie-moi ce message-là, s'il te plaît. Puis après, handle status, ça c'est quelque chose, c'est des extensions chez moi, simplement pour retourner du mono correct. Mais, vous voyez, l'utilisation est très simple. Hein? Il n'y a pas de,
tiens, fais ceci, connecte-toi, écris ceci, crée la queue, non. Pour les orchestrateurs, là c'est un peu plus, je vais dire compliqué, quoique. L'application reste simple, le process, là c'est quand j'ouvre un compte, je crée une carte. Regardez ce que je fais, je définis saga, mauvais terme, c'est process, ça va changer. Et je dis, quand tu ouvres un compte, associe, enfin modifie ton état, etc. Associe le compte ID avec mon process et carte ID avec le carte ID que je viens de créer et envoie carte créée au système. Quand je reçois l'événement carte créée, je log et je m'arrête. Vous voyez, ça tient, on a un écran en présentation, donc c'est vraiment très cool. Non, ce n'est pas une saga. Saga n'a pas de sens. Oubliez ce terme. Ça n'a pas de sens. C'est rough, hein. Je sais que c'est pas, mais ça n'a vraiment pas de sens. On peut en parler si vous voulez, mais ça n'a vraiment aucun sens. Par exemple, je ne veux pas rollbacker si je n'ai pas créé la carte du gars. Surtout pas, on arrive à la banque, ah, voilà, j'ai tout rempli, bonjour monsieur, désolé, la carte n'est pas créée, allez, salut, reviens demain. Non, non, voilà, c'est ça, on dit non, 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 oui, ok, j'ai bien compris, la carte n'a pas créé, mais on va tout faire pour que ça marche, ne te tracasse pas. Tu as ton compte et demain tu auras ta carte, ne te tracasse pas. Vous voyez pourquoi la saga, ça. On a un agrégateur, donc c'est pas vraiment un orchestrateur, c'est plutôt un business service, où là je veux payer par une carte. Donc on est dans des contextes différents. Je veux payer avec une carte, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'utiliser la carte, donc je vais passer mon bitcode, je vais passer dans le terminal, elle va me renvoyer des informations qui sont utiles pour faire la suite, c'est-à-dire faire le withdraw, retirer l'argent du compte. Et quand je retire l'argent du compte, un autre process va démarrer ici, programmé de la même manière, avec des sagas, mais c'est un process qui dit, quand tu vas faire un withdraw, fais le dépôt sur l'autre compte. Simple. Voilà. Et, c'est toujours la même chose au niveau des process, je vous montre au niveau des queries maintenant. Donc là, on fait les queries modèles. Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire la démo. Sauf qu'on la fera peut-être au bar, si vous êtes gentil. Donc on a un modèle Mongo, j'ai fait en Mongo, ce que j'aime bien, le challenge, peut-être les données, etc. C'est chouette. Donc ça, ça n'a rien à voir avec Axon. Par contre, ce qui a à voir avec Axon, c'est ici. Comment on définit le fait de réagréger tous les événements et de balancer dans mon repo? Avec Event Handler, tout simplement, ça fonctionne de la même manière. Une annotation sur une fonction qui définit en paramètre, quel est le message qu'on veut et ce que l'on fait. Bon, ça, la magie ici, c'est Kotlin qui fait que mon code est lisible. Ben, moi aussi, un petit peu quand même. Mais vous voyez, ça reste clean. Pour le reste, clean aussi. Clean, clean, clean. Pour les query handler, parce que ça, c'est modifié la DB. Maintenant, pour manger une query, qu'est-ce que je fais? Ben, query handler. Et on met une query ici. Je demande à mon repo, trouve-moi le customer et retourne-le. Voilà, clean, très simple. Et bien là, est-ce que tu me permets de faire une petite démo, François, ou ça ne va pas du tout? Oui, tu as 3 minutes. Super, 3 minutes. Alors, c'est là que ça ne va pas, alors là je casse tout. On va créer un client. Vous vous souvenez, il y a deux process. Ok, et je vais aussi gérer l'unicité du client. Ça, je le montrerai après. Je vais créer le client. Première fois que le système se lance, il démarre toutes les connexions. Donc là, le premier est un peu lent, le deuxième va être beaucoup plus rapide. C'est parce que c'est pas optimisé, okay, c'est vraiment une démo. Je vais lancer le deuxième appel, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Bam, voilà. On a divisé par par 20. J'ai créé deux clients. C'est tout ce que j'ai fait là, vous avez vu, créer deux clients. Dans le système, oups, ah non, il est là. Pardon. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui s'est passé dans le système? Donc là, c'est l'Axon Server. Un petit dashboard. Je vous l'accorde, ce n'est pas le plus sexy du monde, mais ça mérite d'être évident. En deux opérations, vous voyez, ça c'est l'histoire. C'est mon event store. J'ai claimé une contrainte sur un customer. Pour moi, le customer est unique pour son nom et son prénom. Après, voilà. Je crée le customer,
Je crée le compte. Vous avez vu que j'utilise créer, c'est pas bien, mais on va aller vite. Je crée la carte. Ça, c'est le deuxième. Je vais montrer en live que si je refais une deuxième fois sur le même, donc il y a moi, le dirigeant de bien, et Marcel Patolacci. J'espère que les gens auront la référence. Ceux qui ont la référence, je leur paye une bière. Customer already exist, donc ça marche. J'ai vraiment l'unicité. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué à faire dans les systèmes CQRS, que beaucoup de gens vont vous dire. Non, c'est extrêmement simple. On en parlera après. Je vais vous expliquer. Je vais même vous montrer. Donc on a tout ça à fonctionner. Les process managers ont fonctionné parce que j'ai créé un client, on a créé un compte, on a créé une carte. Ça va. On va quand même vérifier que dans le Mongo tout est là. On a bien Axon Demo. Et on a bien mon petit modèle qui reprend les ID, le customer, le compte, la carte. On voit que tout s'est bien passé. Okay. Et maintenant. Allez, dernière opération et puis il s'en va. Oups, j'ai perdu le. Là. Je vais prendre ce compte-là, qui est le compte de je ne sais pas qui, c'est moi, voilà. Et je vais en faire des opérations. Hop. Alors, je vais déposer trois fois le même montant. Hop, voilà. Alors, ce qui est super, vous allez voir un truc qu'on peut faire aussi avec Event Store, c'est qu'on peut remonter dans le temps. J'ai fait un appel, j'ai dit au store, donne-moi toute l'histoire et je vais commencer à réagréger l'histoire et refaire le fameux double système, le double booking système. Regardez, le début, ici, j'ai ouvert un compte. Avec les informations. Balance 0. J'ai déposé 23,43€. Balance 28,43€, pardon. Une deuxième fois, 56,86€. Une troisième fois, 85,28€. Donc on peut remonter dans le temps, faire une interface qui dit tiens. Historique. Ouais, ouais, mais c'est historique, mais c'est même pas le. C'est on the fly. Quoi. Ouais. J'ai appelé l'Event Store. Je vais vous montrer comment on fait si tu veux. Très simple aussi. Et croyez-moi sur parole, j'ai pas envie de. Mais on peut donc payer par carte et tout le système va retirer l'argent d'un compte et le transférer vers un autre. Codé de la manière que vous avez vu, en mode extrêmement simple. Ok ? Voilà pour la démo. Je vais quand même terminer. On dirait un grand merci à François. Comment ? L'action serveur est rentré historique de toute façon. Comment ? L'action serveur, on peut avoir l'historique en fait. Non, je vais vous expliquer. C'est la programmation on the fly. C'est vraiment de la programmation fonctionnelle. C'est un fold qui fait un stream. Je vais vous montrer. Le code est très simple, mais dit comme ça, ça semble un peu. Donc, un peu qui je suis quand même. Bon, Frédéric, je suis application architect, solution architect chez Axonic. C'est 12 ans que je suis dans l'IT, principalement en JVM, du Go. J'ai principalement en JVM parce que c'est Java ce qu'elle a copié. Ça fait 7-8 ans que j'ai recalculé hier, ça fait plutôt 8 ans que je fais du DDD, CQRS et Event Sourcing. Alors pourquoi est-ce que j'ai rejoint Axonic ? Ils m'ont appelé déjà. Mais j'étais client, je suis vraiment tombé amoureux de la solution. Et puis au fur et à mesure d'avoir des discussions super pointues avec Alar, ben voilà, j'ai décidé de m'appeler. Vous verrez mes informations, n'hésitez pas, franchement je suis assez sympa normalement quand vous verrez. Voilà des liens intéressants, ça aussi c'est à photographier. Vous avez le Reactive Manifesto si vous voulez comprendre un peu plus.